I am an ocean of words. I can't stop myself. I can control myself, restrain myself to a certain amount of words. A dam against the waves, breaking in slow motion. Je déborde, I'm a slow person. I need seasons and water to describe all of the fish, all of the bacteria's hidden, to unfold all of their surrounding, to present it to you, to be opened bluntly in front of you. Comme l'expiration d'une mère négligée le matin, gorgée du précieux perdu et de l'honteux jeté, I am the energy pushing the heterogeneous, a perpetual motion, a tireless fabricator. As the shop d'un vendeur, accumulateur, collectionneur, I am the attic of his artifacts. They move from two worlds, from two heads smashed in one, from two rivers smashed in one ocean. Alors vous comprenez, je ne peux pas me limiter à un poème, si court, si rapide à lire, à saisir, non. Moi, j'ai besoin d'une infinité. La version juste en français avec quelques variantes. Je suis un océan de mots, je ne peux m'arrêter. Je ne peux me contrôler ni me restreindre à un certain nombre de mots. Un barrage contre le Pacifique, brisant au ralenti. Je déborde, je suis une personne lente. Et j'ai besoin des saisons et de l'eau pour décrire tous les poissons, toutes les bactéries cachées, de déployer leurs environs, de te les présenter, de les faire s'ouvrir crûment devant toi. Comme l'expiration d'une mère négligée le matin, gorgée du précieux perdu et de l'honte jetée, je suis l'énergie propulsant l'hétérogène, une espèce locomotrice, une espèce fabulatrice. Comme la boutique d'un vendeur, accumulateur, collectionneur, je suis le grenier de ces artefacts. Des mots de deux mondes, de deux têtes fracassées en une seule, de deux comètes fracassées en un seul firmament. Alors vous comprenez, je ne peux pas me limiter à un poème, si court, si rapide à lire, à saisir, non. Moi j'ai besoin d'une infinité. Donc, récemment, je me suis mise, je vais enlever mes lunettes, c'est pas nécessaire maintenant. Donc récemment, je me suis mise à la poésie. Avant, j'aimais pas ça, mais c'est simplement, comme j'ai dit sur mon blog, c'est simplement parce que j'avais pas trouvé les bons auteurs, parce que j'avais pas trouvé les bonnes personnes pour me motiver à découvrir la poésie, parce que c'est vraiment beau, c'est juste, c'est un autre moyen de s'exprimer, puis il faut juste trouver qu'est-ce qui nous convient. J'ai décidé de commencer par en écrire avant d'en lire. Sans réflexion, juste comme ça, naturellement. J'ai été beaucoup inspirée suite à un poème de E.E. Cummings, qui est un poète américain. Voilà, j'essaie de voir comment lui, dans le seul poème de lui que j'ai lu, comment lui il faisait. J'essaie de définir dans mon esprit c'est quoi la poésie, théoriquement. Voilà, je suis vraiment fière de ce poème-là. C'est un poème, comme vous avez pu remarquer, pas en deux parties, mais en deux versions différentes. C'est pas une traduction exacte. Je trouve que chaque langue a ses particularités, a quelque chose à apporter de merveilleux au poème, dans le fond. Et si vous vous demandez, j'ai décidé d'écrire le poème en anglais en premier, puis d'y incorporer le français parce que je vis dans un pays bilingue et je valorise beaucoup le français, mais je laisserai jamais partir le bilinguisme qui m'habite comme personne. Donc c'est comme un petit peu un hommage à ce bilinguisme, la première version du poème. Donc le poème a deux versions, mais pour moi, ces deux versions forment le poème en entier, ne font qu'un. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez en bord de commentaires. Je suis un peu nerveuse, c'est la première fois que j'écris sérieusement de la poésie. J'ai certainement parlé trop longtemps en cette fin de vidéo, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Alors, voilà.